Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons voir la piste du risque, dite de l'inconscient, à Djibouti, derrière ces légionnaires parachutistes du 2e REP. Une piste acrobatique qui est franchie dans des conditions météorologiques très éprouvantes, 50 degrés à l'ombre et un taux d'humidité très, très élevé. Arrête de faire du piano, ok. Allez, on relâche. Appliquez la technique, sinon vous ne passez le pas. Surtout à l'aboutir. Et un autre groupe va commencer avec un autre moniteur à la sparge. Les tubes métalliques qui descendent. Là. C'est voilà. Combien de mètres, ça? Ça va être environ 30 mètres à peu près. Et environ 25 mètres pour la gouttière, le deuxième qui est à côté. Allez Mathis, on y va. Allez, va, allez. Il y a un mec du jury derrière, là, il va te rattraper. Vas-y, Panine, si tu veux. Non, il va okay. Allez Mathis, tu peux t'en démarrer, il t'attend les chenilles là-bas derrière. Oh. Parce qu'il a gagné des temps là. J'espère que tu ne te vas pas casser les bras là, gringo. C'est pas la peine d'accélérer, seulement tester les deux méthodes. Ensuite, quand elle est en premier, maximum 3 sous les câbles. Maximum 3 sous les câbles. S'il vous plaît, mon adjudant. Allez. Faut serrer comme ça, les autres, l'autre il puisse se mettre dans la place. C'est basta, c'est bon ou c'est pas bon? On dévisse, on applique la même technique hein, qu'on a vu là-bas. Parce que les deux câbles ils vont se rapprocher un de l'autre. On applique la technique, les bras, la chambre et on recommence. Allez Matic, maintenant c'est à toi là. C'est parti. Mais alors attendez. Peut-on risquer la vie des légionnaires parachutistes en entraînement? J'ai demandé ça à un instructeur, voilà ce qu'il m'a répondu. Pourquoi toujours la sécurité? C'est inadmissible de perdre un bonhomme à l'entraînement. C'est vraiment inadmissible. Pour moi.
si un jour on part à 10 et on revient pas tous, ben c'est la partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant, en entraînement, on peut perdre des mecs partout. Ouais. Parce que c'est quoi un accident? C'est quelque chose d'imprévisible qui arrive, on ne peut pas le prédire. Ouais. Maintenant, si, comme j'ai dit au départ, si au départ on n'est pas serein, qu'on a fait tout le nécessaire pour pouvoir parer à tout accident, au moins à notre niveau, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de bon travail. Prends la position correctement au lieu de faire n'importe quoi là. Non, arrête d'escalader là. T'as les feuilles dans le mur, bordel. Mets les pieds dans le trou là. Voilà. Putain, mais c'est pas possible ça. Encore dans les jettes, tu vas voir. À contre les obstacles. Arrête de mourir là. Ah putain, monte là. Monte tes jambes là. Allez. Monte encore les jambes, les pas, les bras, les jambes. Qu'est-ce que tu branles avec tes mains, bordel? Les jambes montent. Hop. Oui, c'est normal. Ici et là-bas, on va continuer et on va rester maximum 3 sur un câble, ok? Alors si moi je suis assuré ici, le prochain il va s'assurer ici, ok? Le troisième. Vas-y, vas-y, tu peux aller là-bas maintenant. Dégage là-bas. Ah, j'arrive pas. Oh, écrase les.
Regarde-moi ta mélange de linge. Regarde-moi ton truc. Santos, en tout cas, tu seras le premier. Tu me rassembles tout le monde en bas. C'est bon? Hey yo, c'est le deuxième, il a dit que c'était toi, hein? Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt et n'oubliez pas le pouce. Allez, au revoir.